Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment repousser facilement un piston d'étrier de frein. Donc ici c'est un étrier sur une Renault Clio, donc j'ai déjà repoussé quasiment l'entièreté, et donc l'outil que j'utilise c'est un serre-joint. Alors si vous en avez déjà un, bah, ça tombe bien pour vous, ou alors ici bah, par exemple c'est un bon marché que j'ai acheté à 2 € et franchement ça fait l'affaire. Donc ça c'est pour ceux à l'avant, ceux à l'arrière, imaginons vous auriez une voiture où c'est avec le frein à main électrique. Ça, c'est différent, mais en tout cas, simplement, si vous avez véhicule classique, il n'y a pas de souci. Donc, vous mettez tout simplement, en fonction de l'ouverture que vous avez, vous le placez ainsi. Et puis, au fur et à mesure, vous n'avez qu'à serrer. Donc, vous voyez, ben, je viens déjà de faire rentrer le peu qui restait du piston. Et ainsi, donc, hop, vous pouvez replacer... Vous pouvez remettre vos nouvelles plaquettes et puis y replacer donc l'étrier tout simplement. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est tout simplement un simple serre-joint. Il faut même pas forcer, juste bien le mettre correctement derrière. À limite, pour vous aider, pour ne pas l'enfoncer de travers, vous pouvez mettre une petite cale fine assez bien. Ou alors simplement venir serrer d'un côté et puis de l'autre, vraiment pour être sûr de ne pas non plus le coincer, mais... Personnellement, j'ai déjà fait à de nombreuses reprises, j'ai jamais eu de soucis. Et donc tout simplement avec l'arrière de l'étrier. Vous voyez, il se place ainsi dessus. Et donc voilà.